Donc à la base, c'est pas la zone, c'est le col de cou. Si on l'a appelé la zone, c'est pour que personne puisse le trouver. Tu vois, personne ne sache où c'est. C'était aussi simple que ça. On voulait garder notre spot pour nous, quoi, puis le donner à personne. Une partie de l'histoire du snowboard européen freestyle a été créée là-bas. C'est comme ça que moi je le vois. J'ai commencé à filmer avec Absent ici, ça faisait presque 10 ans que Vlad y venait avec la première génération de snowboarders. 1939. Ouais, c'est beau. Il y a de la neige là, la cabane, on la devine quand même. Hein. Ces grandes années de backcountry à la zone, je pense que ça c'est révolu, on ne le verra plus. Maintenant, bah, c'est surtout un itinéraire pour les randonneurs. L'histoire de la zone, elle est toujours à écrire et c'est une nouvelle page qui se tourne.